La paix de Christ soit avec vous. Je m'appelle Richard Bott. Je suis le modérateur de l'Église unie du Canada. Je suis assez bon dans la cuisine. Je m'amuse beaucoup à ouvrir le frigo, à voir ce que j'ai à l'intérieur et à trouver des combinaisons qui, espérons-le, vont ensemble. La plupart du temps, c'est bon, mais ce n'est pas pareil avec la pâtisserie. La pâtisserie m'échappe. Peu importe à quel point je reste fidèle à la recette, à quel point je suis précis avec la température du four, à quel point mes ingrédients sont frais, mes biscuits n'ont jamais le goût ni la sensation que j'aimerais. Ils ne sont pas comme les biscuits de maman. Je me demande si c'est un problème de cuisson ou un problème de mémoire. Il n'y a pas de bouteille portant la mention « nostalgie » dans mon garde-manger. Le fantôme des biscuits de Noël passé pourrait nuire à mes biscuits de Noël d'aujourd'hui. J'ai le même problème avec autre chose dans ma vie. En ce qui concerne la période de Noël, c'est souvent une période riche en habitudes et en traditions et parfois un sentiment que les choses ne sont pas tout à fait correctes. Pas tout à fait comme ça l'était dans le bon vieux temps. Pas tout à fait pareil à ce que nous attendions. Ce sentiment fait partie de la raison pour laquelle j'apprécie la saison de l'Avent. Nous pensons parfois que cette saison est une période d'attente ou de préparation. Je pense que c'est aussi une saison de déballage. Pas nécessairement le déballage des choses nouvelles, mais le déballage des choses anciennes. C'est comme si on sortait la boîte de décoration du placard et qu'on se souvenait d'où elle venait et de ce qu'elle veut dire pour nous maintenant, au moment que nous les mettons sur l'arbre. Pour moi, l'Avent, c'est un moment de faire ça avec ma foi, d'examiner certaines choses qui me sont chères, de secouer la poussière et de les voir à la lumière de notre vie ici et maintenant. Au cours des dernières années, l'équipe du Conseil général a rassemblé des pratiques qu'il appelle Advent Unwrapped, l'Avent déballé. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur le site web de l'Église unie du Canada ou sur la page Facebook de Advent Unwrapped. Cette année, à travers des écrits et des vidéos, et avec deux calendriers de l'Avent différents, l'un pour une prière plus contemplative, l'autre axé sur l'action, la question de la foi à laquelle nous allons réfléchir est « Qui est Jésus? » Je prévois y participer. J'espère que vous allez y participer aussi. Au moment où nous nous préparons pour tout qui se passera, prenons un peu de temps pour tout déballer et trouvons ce que Dieu a préparé pour nous.